Et salut à tous, salut, c'est Cracotte. On se retrouve aujourd'hui sur le jeu Alaskan Road Trucker, l'ancien nom qui est Alaskan Truck Simulator, qu'on avait fait une démonstration. On se retrouve également aujourd'hui pour la sortie officielle sur PC. Donc là, on va choisir notre personnage. Donc on va prendre... Tiens, celui-ci, il est vraiment stylé avec ses lunettes là. Donc on va l'appeler Cracotte, le personnage. Bienvenue en Alaska, vous êtes sur le point de commencer votre carrière en tant que routier en Alaska. Votre tâche principale consiste à livrer divers chargements dans de nombreuses régions de l'Alaska. Au cours de vos voyages, vous devez prendre soin de votre camion et de ses composants, mais aussi de vous-même, de votre santé, de votre énergie, de votre nourriture en effectuant des livraisons. Vous gagnerez de l'argent et de l'expérience, ce qui vous permettra de développer vos compétences et vos quartiers généraux. En tant que petit développeur indépendant, nous avons toujours rêvé de créer ce jeu. Nous espérons que tu nous aideras à le faire grandir. Merci de nous accompagner dans ce voyage. Donc, divers camions à débloquer, des dizaines de remorques et de chargements différents, de nombreux mécanismes de survie et de vie. Donc ça, c'est en anglais, malheureusement. Monde dynamique avec différents types de temps, 4 saisons et un cycle jour-nuit de 24 heures. Extension de la base et d'un système complet de réparation, de personnalisation. Des camions, immense carte bac à sable basée sur la partie centrale de l'Alaska et une carrière vous attend, développez vos compétences, faites fortune, gagnez en réputation et voilà, et divers camions de ce que je viens de dire tout à l'heure. Donc maintenez pour fermer. Alors, on va jouer avec la manette. Donc là, on va peut-être prendre le camion. Ça, c'est le capot. On peut ouvrir le capot ? Ah oui, carrément, on peut ouvrir carrément le capot. On peut monter dedans. Boîte à fusibles. Non, on va pas, on va pas commencer à faire ça. Surtout que je m'y connais pas énormément. Ah, il y a un PNJ là-bas. On va peut-être aller lui parler. Ok, c'est la responsable. Alors, elle nous file une mission. Ok, j'arrive pas à la prendre, donc peut-être jouer avec... Avec la souris, ça sera peut-être plus simple. Voilà, c'est bon. Alors, pour bien atteler la remorque, commencez par la verrouiller. Donc, on va commencer par verrouiller la remorque. Et ici. Voilà. Alors, maintenant, saisissez les câbles par leur extrémité et accrochez-les aux prises un par un. C'est l'autre côté. Et ici. Donc là, au câble. Donc, il faut prendre l'un. On prend le cap vert, on le met sur le bouton vert. C'est bien stylé, en plus on voit les mécanismes du personnage avec sa main, bien réalisé en plus. Et le truc rouge sur la prise rouge. Voilà. Et là je pense qu'on peut détacher ça. Donc là il faut faire avec le joystick. Support de remorque complètement retracé. C'est pas bon alors. Ah d'accord, ok. Faut faire comme ça. Non, c'est pas bon. Non, c'est pas bon. Ok, faut le faire vers le bas. Support de remorque complètement retracé. Support de... Prenez la manivelle jusqu'à ce que les supports soient complètement levés. Non, mais c'est pas bon en fait ce que je fais. En fait, faut que ça soit levé. Voilà. Il fallait le lever en fait. Oh, je vous jure, ça commence bien. Alors maintenant. Ça, c'est la carte. Donc nous sommes actuellement ici. Donc voici la carte du jeu. Alors je sais pas si on peut dézoomer. Zoomer, non. En fait, on est au minimum. Ok. Donc là en haut, je vais prendre ma souris, ça ira plus vite. On a l'émission camionneur. Donc ça, c'est moi. Les paramètres. Hein. Voilà, les paramètres. Je pense que l'élimination... ça, c'est pour moi. On va se mettre en 60. J'avais mis 60 pourtant. Ok, donc là, logiquement, ça devrait être bon. Donc, on a aussi les guides pour nous apprendre comment jouer. Donc, ça, c'est très important pour les personnes qui débutent un peu comme moi, qui n'ont pas trop l'habitude de jouer à ces styles de jeux. Alors, je tiens à préciser, hein, je joue jamais à ces jeux de base.
Donc c'est aussi une première pour moi, même malgré que j'ai joué un petit peu à SnowRunner, mais on va dire que c'est un peu une première pour moi sur ces styles de jeu. Alors démarrez le moteur et prenez la route. Donc là, avec la manette, c'est un peu compliqué. Donc on va peut-être prendre la souris, c'est plus simple. Hop, appuyez sur le bouton E. Maintenant, on va prendre ça. Appuyez sur le bouton E. Et après, de toute façon, jouez avec la manette. Hein. Voilà, à partir de là, jouez avec la manette. Donc limite, vaut mieux jouer avec le clavier plus la manette. Alors je sais pas si on a plusieurs vues, on va regarder ça. Sur n'importe quel sujet du guide. Définir l'itinéraire par défaut. Ouais, je sais pas ce qui se passe, qu'ils me disent appréhender davantage sur n'importe quel sujet du guide, mais je sais pas pourquoi, ça fait tout le temps ça. Je me suis peut-être trompé de truc. Non, je pense pas. Sur le guide. Ah, c'est peut-être là. Voilà. Voilà. Hop, ça va s'enlever. Non ? Bon, bref, c'est pas grave. Allez, on va y aller. Tant pis, on jouera avec un truc qui s'affiche. Ça commence. Prends un main. Très bien de l'enlever. Sinon, on peut pas... on peut pas démarrer le camion, hein, bien sûr. Alors, voici les caméras. En cliquant sur le joystick droit, du coup, on change les caméras, par contre. Ah, c'est parti. En fait, c'était un petit souci technique. Hein. Allez, c'est parti, on y va, là, tranquille. Franchement, il est beau graphiquement. Hein. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez. Il est vraiment classe. Hein. On va jouer comme ça, tiens. Comme ça, on évitera de faire des erreurs. Hop, on va aller là, de toute façon, on n'a plus qu'à suivre le chemin. Il y a un stop, là, normalement, on doit s'arrêter, mais comme il n'y a pas de trafic, on va dire que c'est pas très très grave. Hop. Ah oui, il faut redresser. Ah, si, on a un véhicule sur la route, là. Je sais même pas si on peut klaxonner. Ah, le pare-soleil. On peut mettre un pare-soleil. Oh, c'est stylé. On peut l'enlever. Donc la limite, on peut mettre le GPS, on peut mettre la radio parce que je l'ai désactivé. On a aussi la CB, je pense. Chauffage allumé. Ah, on peut mettre le chauffage si on veut. Hop. Êtes-vous en streaming ? Ah oui, je suis en vidéo. Mais bref, de toute façon, vous inquiétez pas. De toute façon, j'ai enlevé la musique au début du jeu, donc ça risque rien. Mais si vous voulez mettre de la musique, vous pouvez hein, sur le jeu. Ça pose pas de problème. Par contre, j'aurais bien aimé trouver comment on klaxonne dans ce jeu. Ah, les rétros. Avec la touche directionnelle de droite, on met les rétros côté gauche et côté gauche, côté droite et côté gauche, pardon. J'ai fait là. Ah, ok. Le frein à main, c'est avec le Y. Et bah, du tout, je sais pas comment on klaxonne. Bon, on va dire que c'est pas très grave. Hein. Pas forcément besoin de klaxonner dans le jeu. Donc ce qui est bien aussi en bas à gauche, comme vous pouvez voir sur la carte hein, qui est en bas à gauche, il y a la vie, il y a la pomme et l'énergie. Donc là, limite, il faudrait que je mange si la pomme commence à se réduire de plus en plus. Il va falloir que je trouve à manger. Donc limite, peut-être s'arrêter à un endroit pour aller grignoter un peu. Moi, je pense qu'il y a de grandes chances quand ce jeu il va sortir... D'ici quelques mois, on aura des modes pour jouer en ligne comme Euro Truck. Hein. Je pense que ça va se faire ça un jour sur PC. Comme le jeu il est jouable qu'en solo, je pense qu'il y aura un truc pour jouer en ligne. Je pense que ça sera, si le jeu marche bien, il y a peut-être moyen. En tout cas, pour un jeu indépendant, franchement, je le trouve vraiment classe. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... En tout cas, je le trouve vraiment classe. C'est vrai qu'il y a encore des problèmes d'optimisation.
sur le jeu. Il y a quelques chutes d'FPS sur PC, mais c'est pas très gênant, ça reste jouable le jeu. Puis il y aura forcément des patchs au fil du temps. Mais en tout cas, je le trouve vraiment classe dans un premier temps. Moi qui est vraiment pas fan hein, de ces styles de jeu en général, je le trouve vraiment bien. Vraiment sympa. J'avais fait déjà une découverte hein, sur ce jeu tout au début du développement. Je trouve qu'il est mieux réussi aujourd'hui. En plus, comme je vous ai dit au début de vidéo, ils ont changé carrément le nom parce que je crois que c'était un simulateur, comme je vous ai dit, avec le nom simulation, mais là ils ont carrément changé le nom. Et on peut tourner ou pas. Alors par contre, les clignotants, je sais pas comment on les met. Logiquement, on peut les mettre. Mais pour mettre les phares comme ça. Mais logiquement, on peut mettre les clignotants. Ouais, je regarde dans les options. Faut aussi faire attention pour l'essence. Hein. Très important de remettre l'essence. Je vais aller voir un truc dans les paramètres. Alors, dans les commandes, c'est vrai que j'ai pas eu le temps de regarder. Clavier souris. Voilà, je vais regarder. Donc, inventaire. Changer la caméra, frein à main, c'était le Y. Donc, sortir du véhicule, le B, les feux. Ok, donc c'est ce que je viens de faire. Les clignotants, en fait, ils n'ont pas été mis. Donc, par contre, on peut les mettre. Je crois que LB et RB n'est pas fonctionnable. Donc, ok, donc LB, ah si, ils y sont. Passer une vitesse et... Ah, d'accord, ok. Alors, moi, je joue en automatique, donc c'est pas très gênant. Donc, je peux mettre peut-être... Ah non, je peux pas. D'accord, donc on va mettre au pire clignotant comme ça. Avec le clavier et souris. Le klaxon. D'accord, ça marche pas. Sur le clic joystick gauche, ça ne marche pas. Bon, pas grave. Ok, j'ai paramétré, logiquement ça devrait marcher. Voilà, bah par contre, faut que je fasse le clic de la souris quoi pour klaxonner. Et les clignotants avec mon clavier quoi. Bon, c'est sûr, quand il sortira sur console, les touches ils seront déjà adaptées. Hein. Je pense que le LB, ça sera le clignotant gauche, le RB sera le clignotant droit. Pour passer les vitesses, ça se trouve, ça sera la touche gérentielle du haut et du bas. Il y aura quelque chose de plus simple. Et là, franchement, j'ai pas réussi à paramétrer les... Dommage. Mais bon, on va dire que c'est pas très grave. Et si, peut-être que j'aurais peut-être pu. J'aurais pu peut-être enlever les vitesses. Ouais, avec le RB peut-être. Il fallait peut-être enlever les touches avec le RB. Ouh là là. On va se mettre entre les deux. Ouh là, je sais pas ce que je fais. Ouais, ça passe quand même. On a un petit klaxon avec la souris. Ah ben on l'entend même pas. D'accord. À l'extérieur on l'entend pas, faut qu'on soit à l'intérieur. D'accord, à l'extérieur ça s'entendait pas. On va freiner. Allez, on tourne à droite. Oh, prêt de responsabilité pour un accident. 723$. Ah non, 880$. Ah oui, j'ai percuté un deuxième véhicule. Ça commence bien. On va se mettre en feu de croisement parce que là j'étais en feu de route. Mais ça aurait été vraiment très badass, limite qu'on se prend des prunes comme ça là. Limite, on a la police qui arrive. Ça aurait été vraiment bien, bien stylé. Oh, pas mal de chutes là. Alors quand je sors cette vidéo en ce moment, il n'y a pas de patch Day One parce que du coup le jeu sort le 18 et du coup bah, le jeu je l'ai eu à l'avance. Donc du coup il y aura forcément peut-être une mise à jour pour la sortie officielle du jeu. Donc là on va essayer de tourner à gauche. De toute façon, on arrive bientôt à la destination.
Voilà, donc là, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse maintenant? Je pense qu'il faut qu'on sorte. Alors tout d'abord, abaisser les supports. Donc là. Impossible d'utiliser les supports de la remorque lorsque le moteur tourne en A. Ah, le moteur il tourne. Ok. Il faut éteindre le moteur, très important. Donc. Déjà mettre le frein à main. Voilà. Je pense que le moteur, il n'y a pas besoin, mais au moins mettre le frein à main. Voilà. Et là, du coup, on descend. Voilà. Maintenant, il faut débrancher les deux câbles. Voilà. Et le deuxième. S'il veut. D'accord, il veut pas. Ah oui, parce que, il fallait le remettre dedans. Ok, c'est pour ça que ça voulait pas marcher. Et remettre le verre. Et bah sur le verre. Voilà, ça c'est bon. Maintenant, enfin décrocher la remorque du camion. Voilà, ça c'est fait. Et maintenant récupérer bah, votre argent. Et on récupère notre argent qui est 5272 $. Donc terminé. Félicitations, vous avez terminé la commande. Vous êtes prêt à poursuivre l'aventure par vous-même. Si tu veux accepter notre mission, l'ouvrez l'onglet mission et vérifie les offres disponibles dans la région. Tu dois avoir la réputation et la licence nécessaires. Avant de partir, faites des réserves de nourriture et d'équipement dans un magasin proche. Si vous êtes fatigué, dormez dans une cabine ou couchette ou allez dans un motel. Vérifiez le niveau de carburant et surveillez les conditions défavorables des camions lorsqu'ils se présentent. Avec l'argent gagné, tu pourras acheter de nouveaux camions et les personnaliser. Tu peux aussi investir dans l'agrandissement de ta base pour économiser sur les visites aux ateliers. Investissez également en vous-même en dépensant les points d'avantage que vous gagnez dans l'onglet chauffeur. Donc, on va aller voir tout ça tout de suite. Donc, là, destination. Donc là, pour l'instant, on verra. Donc là, il faut aller dans camionneur. Donc là, on peut débloquer camionnage mécanique. Permet d'effectuer des réparations de base. Permet d'accepter des commandes de base. Et donne accès à votre propre QG. Donc, on a quand même pas mal d'argent. Et on pourra débloquer les compétences ici. Ça, c'est vraiment sympa. Ça, c'est les missions qu'on peut faire. Donc, il y a pas mal de missions tout simplement à les faire. Il y a vraiment, vraiment, vraiment pas mal de missions. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On a quoi comme mission? On a permis A, commande disponible, distance. On a pas mal de choses là. C'est quoi ça? Carrière, point de collecte, réputation requise, remorque, basculant, dépôt de la carrière. Non. On va... mission. Donc là, on a quoi, là? Iglo City. D'accord. Donc là, on va faire mission. Là, on a peut-être une mission, là. Réputation requise, 3 étoiles. Donc là, chantier immobilier. $. On peut le faire. On peut le faire. Donc du coup, je sais pas comment ça fonctionne après. Ok, j'ai mis un point pour y aller. Je pense comme ça qu'il faut faire. Allez, on est parti. De toute façon, on est vraiment pas très loin de façon de l'objectif. Là, du coup, on va beaucoup plus vite que tout à l'heure. Hein. Là, on va beaucoup plus vite. Hop, hop, hop. Je crois que j'allais prendre la pancarte. Oh non, j'ai touché le véhicule. D'accord. Franchement, j'ai été trop vite.
Ok, on va se mettre là. On va descendre du véhicule. Hop. Alors par contre, ça serait pas mal aussi d'éteindre le moteur pour éviter de consommer de l'essence. Alors ça, c'est le responsable. Il nous propose un truc. Déchets, station de recyclage de terrain. Est-ce qu'on peut prendre à manger ? Magasin. Fruits secs. On va prendre des fruits secs, barres de chocolat et antidouleur, fruits secs deux fois, tiens. On sait jamais. Voilà. Par contre, pour sortir notre inventaire, comment on fait ? Pour manger, du coup, on fait comment ? Et ça, c'est la question. Comment on fait ? Vers la cabine. Ah, peut-être aller vers la cabine pour manger, peut-être. Ah oui, dormir pour se reposer. Micro-ondes. On peut cuisiner, en fait, dans le jeu, d'accord ? Ici, d'accord. Donc là, notre inventaire. Non, on peut récupérer. Notre inventaire. On fait comme ça, d'accord. Ok. Donc là, je vais me prendre une petite barre de chocolat. Ah, c'est pas énorme. Fruits secs, deux fois, peut-être. Ouais. Allez, ça, c'est bon. Là, on est en forme. Par contre, ça serait pas mal de remettre de l'essence sur la route. Il veut bien. Ah, parce que forcément, si je mets pas d'essence, on va forcément caler sur la route, là. Eh oui. Surtout que la livraison, c'est pas tout de suite, hein. On a un peu de chemin à faire, en plus, je crois en plus. Oui, on a du bon chemin à faire, donc il faudra s'arrêter sur une station sur la route. J'espère qu'il y en a une. Logiquement, oui. On va bien regarder. Oh là là, je sais pas où je vais, là. Oh là là. Ok. On est parti. Donc on va essayer de mettre le clignotant comme eux. Alors par contre, hein, faites pas comme ça. Hein. On n'a pas le droit de doubler tous les véhicules. Normalement, limite, on devrait rester derrière. Et comme moi, j'ai pas forcément trop le temps, du coup... la mission, elle est assez longue. Oh là là. Par contre, hein... Il faut rebraquer à chaque fois, là, le volant, mais... le clignotant, il reste toujours à droite, par contre. Hein. Ça, c'est dommage. Hop. On va enlever le clignotant. Et la sensibilité par contre du volant, faudrait la toucher aussi, hein, parce qu'elle est quand même bien rigide, elle est pas très souple. Il faudrait augmenter la sensibilité du volant aussi. Oh, oh là là, il s'est passé quoi là ? Oh ! Non, je sais pas ce qui s'est passé. Le camion, il a voltigé. Il a fait... je sais pas ce qu'il a fait. Il a fait une well. Il est carrément parti vers l'avant. Félicitations, vous pouvez acheter un nouveau camion. En fait, quand j'ai rentré dans le truc, là, je pouvais acheter un camion après. Ok. Ils savent très bien que le camion, il va être détruit avec moi. Donc du coup, je peux m'acheter un deuxième camion. Oui, en fait, je pense que j'ai été trop vite. J'ai dû aller trop vite. En plus, la batterie, je pense qu'elle a pris un coup. Il y a un truc jaune. La batterie, elle a pris un coup. Alors, en tout cas, j'ai vraiment pas grand-chose à dire sur le jeu. Je le trouve vraiment sympa. Pour les personnes qui aiment bien ce style de jeu. Je pense que vous allez vraiment bien aimer. Surtout qu'il est bien complet, parce qu'on peut sortir des véhicules. Et c'est ce qui est bien, en fait. On peut sortir des véhicules. Parce que sur les Euro Truck, c'est vraiment des bons jeux aussi. Hein, Euro Truck Simulator 2. J'avais déjà testé, j'avais bien aimé. Mais c'est vrai qu'on pouvait pas sortir des véhicules et je trouvais ça un peu dommage. Et bon, que ça c'est différent, hein, ça se passe en Alaska. Mais le concept reste à peu près le même, on fait des livraisons. Hein. Mais ce qui est bien, c'est que celui-ci il est vraiment très très complet. Et c'est ça, franchement je trouve ça vraiment cool. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, mais
Si vous êtes du même avis que moi, que le jeu est beaucoup plus complet, le fait qu'on peut sortir, je trouve ça vraiment cool. Après, c'est différent, c'est pas la même route, mais on reste quand même sur le principe de les mêmes livraisons, sur des longues routes. Et ce qui est vraiment bien, c'est que ce jeu, il est disponible sur console. Il sortira sur PS5 et la Xbox Series X et S. En fait, on va dire qu'il n'y a jamais eu de jeu de camion qui est sorti aussi bien réalisé à ce jour sur console. Il y a eu déjà des jeux de bus, de camion. On a fait de la découverte sur Fernbus, sur Bus Simulator, sur la PS5. Mais j'ai trouvé que Fernbus a quand même été largement au-dessus de Bus Simulation. Et celui-ci, je le trouve vraiment bien, bien conçu. Et en tout cas, sur console, ça peut que faire du bien pour les personnes qui aiment bien ce style de jeu. Alors, je sais pas si on arrivera à aller jusqu'à là-bas, parce que ce que je peux voir, c'est que le chemin va être très très long. J'espère juste que je vais trouver une station d'essence sur la route. Sinon, on va tomber en panne et on sera obligé d'arrêter la vidéo, malheureusement. Parce que pour l'instant, je crois pas que j'ai vu une station d'essence. Alors, c'est vrai que je parle et je fais pas attention à la route, sincèrement. Donc, j'espère juste que j'ai pas fait de bêtises à station de recyclage de terrain. Alors, c'est bien, mais ça se trouve, il faut faire une livraison. J'y vais comme ça, mais moi, j'y vais que avec mon camion sans rien. Je transporte rien là. Oh là là. Bah, je crois que c'est mort. J'ai attrapé un accident. Non, mais je pense qu'on ira pas en fait. Je pense que j'ai fait une bêtise sur la route là. Bon, dans tous les cas, c'est pas grave, on la fera pas au pire. Pas grave. On va s'arrêter là. Donc, la mission, c'était ça de base. Transport les déchets à station de recyclage terrain. Mais le truc, c'est que... Est-ce que j'ai les déchets sur mon camion? Non. Je les ai peut-être même pas pris, en fait. C'est ça, la question. Je pense pas que je les ai pris. J'ai pas de remorque, j'ai rien. Transport déchets à station de recyclage. Et ouais, donc là, je pense pas que c'est ça. Bref, on va pas la faire. On va pas la faire. Ça sera mieux. Annuler. Parce que là, il y a marque paiement, remorque camion ben. Oui, j'ai même pas pris de camion ben. En fait, j'ai même pas pris de camion ben. Hein. J'ai rien pris du tout. J'ai rien pris. Donc bref, je pense qu'on va s'arrêter là sur la découverte du jeu. En tout cas, on a fait qu'une livraison. Et là, je me suis trompé, mais en tout cas, je vous ai montré un petit peu le jeu. Si vous avez vu cette découverte entièrement, vous n'avez pas forcément besoin de voir autre chose sur la vidéo en général pour que vous kiffiez le jeu. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et j'espère aussi que le jeu vous intéresse. Nous, on se retrouve également pour une prochaine vidéo de découverte sur la chaîne YouTube, voire de Let's Play. En tout cas, portez-vous bien. Ciao, ciao à tous.